ça redonne envie de vivre, ça vous donne envie de partir à la recherche du temps perdu, lire un bon livre, ça vous donne envie de suivre Robinson ou Gulliver ou Cosette et Javert. Au fin fond de la Mancha, retrouvez Sancho Panza dans la ville de Padova, le libertin Casanova, savourez Frédéric Dard, le breton Alphonse Boudard, ou les aventures friponnes de Restif de la Bretonne. Rendez visite à Podane, à Gilles Blas de Santillane, devenez les commensaux de Voltaire et de Rousseau. Et si vous trouvez amer les raisins de la colère, allez faire des cabrioles au pays de Lewis Carroll. Lire un bon livre, ça vous donne envie de suivre Albert Cohen ou Balzac, Machiavel ou Pierre Dac. Délectez-vous en passant d'un joli conte persan, ou savourez quelques vers de Verlaine ou de Prévert. Une pensée de la Haute-Ceu, apitoyez-vous sur ce pauvre César Birotteau qui a croqué tout son gâteau. Bien au chaud dans votre dodo, emportez Georges Amado ou ce Julio Cortazar qui a des histoires si bizarres. Il sera minuit sonné, vous aurez toujours le nez dans un roman de Sandra ou le journal de Jules Renard. Lire un bon livre, ça vous donne envie de suivre Scheherazade ou Lucrèce au jardin des caresses. Après Dumas et Kessel, découvrez Raymond Roussel. Amenez le divin marquis chez Madame de Bovary. Vous resterez étourdi du voyage au bout de la nuit. Rabolio vous séduira comme Zazie ou Jacques Vintras. Aimez-vous les esprits forts, dévorez messieurs Champfort, La Rochefoucauld, Shakespeare, n'ont laissé que de bons souvenirs pour de multiples raisons. Si un jour je vais en prison, je veux bien me passer de croissant, mais ne me laissez jamais sans. Lire un bon livre, ça redonne envie de vivre, ça vous donne envie de partir à la recherche du temps perdu. Lire un bon livre, ça vous donne envie de suivre tous ceux qui ont le chou farci, à qui je dis merci.